Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes de nouveau réunis dans la salle Pierre Perrault de la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul à l'occasion d'un vernissage d'une nouvelle exposition de peinture. La particularité, cette fois, c'est que nous sommes en compagnie de M. Denis Côté, qui n'est pas l'artiste lui-même, mais le fils de M. Valmont Côté, peintre qui a vécu à Québec pendant une grande partie de sa vie et qui a entassé, qui a conservé des tableaux chez lui et dont le fils s'est donné comme mission de diffuser l'œuvre de son père qui est décédé, lui, en 2003. Donc, je suis en compagnie de Denis Côté, le fils de M. Valmont Côté. L'exposition qu'on inaugure aujourd'hui sera visible tous les jours à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul jusqu'au 1er septembre. Alors, je suis en compagnie de M. Denis Côté pour nous présenter une nouvelle exposition à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul. Mais M. Côté, je crois que ce ne sont pas vos tableaux qu'on peut voir actuellement sur les cimaises. Non. Il s'agit des tableaux de mon père, Valmont Côté, né en 1921 et décédé en 2003. Et qui a étudié à l'École des Beaux-Arts dans les années 38-40 avec Jean-Paul Lemieux, et qui a continué son petit bonhomme de chemin comme artiste, comme un homme très discret, un peintre très modeste, un peintre du dimanche, on pourrait dire, et puis qui a persévéré pendant 50 années au moins. Parce que ce n'était pas sa profession ou son métier d'être peintre et de vivre de sa peinture. Non, à l'époque où il étudiait à l'École des Beaux-Arts, il travaillait dans des abattoirs, en plus, le jour. C'était une période un peu difficile. À cette époque-là, la famille Côté avait quitté la Gaspésie vers 1927. Ils étaient partis, ils avaient quitté Sébec pour aller à Saint-Grégoire-de-Montmorency, au pied de la chute. Mon grand-père est allé travailler à la Dominion Textile. Ils ont habité un certain temps dans Saint-Grégoire-de-Montmorency. Ensuite, ils se sont déplacés vers Limoilou. C'est dans ce temps-là que mon père s'est inscrit au cours du soir de l'École des Beaux-Arts. Et il continuait de travailler dans le jour dans les abattoirs, pas très loin de mes oreilles, où moi-même j'ai grandi. Je pense que quand on parle de Méseret, on parle du domaine Méseret, en banlieue de Québec. Ça, c'est un lieu important là, pour situer l'activité Méseret, de votre père. Oui, tout à fait, oui. Mais Méseret, c'est un peu le quartier, finalement, c'est un peu une partie du quartier Limoilou à Québec. Ah, oui, d'accord, je comprends. Voilà, on n'est pas très loin de l'hôpital de l'Enfant Jésus, par exemple. Et donc, les sujets de ces tableaux, il les prenait dans son environnement immédiat. Voilà, à proximité de la rue Bardi, donc il allait au domaine de Méseret, ou parfois avec sa bicyclette, il allait vers Beauport, jusqu'à Boisse-Châtel, etc. Ou bien il allait parfois aussi dans le Vieux-Québec. Et puis, Méseret, ça a été des années. Méseret est un lieu historique. Il y a le fameux manoir qui est représenté, que l'on peut admirer sur un tableau. Oui, on pourra le montrer au montage. Exactement. Ce manoir date de 1710. C'était propriété du séminaire de Québec. Et pendant longtemps, c'était un lieu de vacances pour les séminaristes. Ça remontait à très loin dans le temps, hein, depuis le 18e siècle. Et par la suite, c'est devenu une colonie de vacances. Et dans les années de ma jeunesse, de mon enfance, j'ai fréquenté cette colonie. Et le directeur de la colonie, qui était M. l'abbé Lucien Godbout, était professeur au séminaire, évidemment professeur d'art. Donc, mon père avait l'occasion de le croiser sur le terrain. Mon père était souvent sur le terrain en été, surtout, puis dans différentes saisons, mais en été,
L'abbé Godbout avait l'occasion de le rencontrer, et l'abbé Godbout, qui appréciait les artistes et qui a donné des... qui a beaucoup, comment on pourrait dire, favorisé des vocations artistiques, M. Godbout a acheté des petits tableaux. Il encourageait votre père, en quelque sorte. Il encourageait. Je me souviens que dans le chalet à Mézeray, près du manoir, M. l'abbé Godbout avait des petits tableaux de mon père qui ont été dispersés dans la suite. Mais est-ce que votre père ambitionnait de devenir un peintre reconnu, ou c'était non, pour lui... Il faisait ça pour son plaisir. C'était un homme solitaire, un peintre solitaire. C'était son plaisir. Lui, c'était d'aller méditer dans la nature. Hein, c'était la beauté de la nature, ça l'inspirait, et lui, il trouvait la tranquillité là, le calme, il relaxait. Il rentrait avec ses petits tableaux, et puis c'était terminé. Il ne voulait rien savoir des galeries. Ce n'était pas un gars qui allait faire des expositions, même s'il avait fréquenté des galeries d'art à Québec, comme par exemple le Chien d'or, près de la rue Buade. Il avait fréquenté le club de la Palette dans les années 1950 parce que un de ses amis de l'École des beaux-arts, qui s'appelait Maurice Chouinard, lui, Chouinard, était le trésorier du club de la Palette. C'était un club de peintres qui exposait leurs tableaux dans le Palais Montcalm à Québec dans ces années-là. Alors mon père allait voir les expositions, les vernissages. Mais il n'a jamais présenté ses tableaux, ou bien osé le faire, en tout cas. Bon, il était tellement discret. C'était un peintre solitaire, voilà. Maintenant, j'ai bien lu qu'il est décédé en 2003, donc ça fait 16 ans. Oui. Et son œuvre continue d'être montrée aujourd'hui. C'est une mission que... Comment vous êtes approprié son œuvre et comment vous avez envisagé de la perpétuer? Bien, suite à son décès, ma mère m'a confié les tableaux que mon père accumulait, par modestie. Et les tableaux, bon, dormaient dans les placards, les armoires, etc., les boîtes. Et je me suis dit que c'était insensé de laisser mourir tout ce travail artistique, de laisser disparaître quand même tout ce travail de plusieurs années. Et j'ai décidé, à l'époque, j'étais à Saint-Hyacinthe exactement, de présenter une première exposition au Bureau de tourisme et des congrès de Saint-Hyacinthe. Et les tableaux qui étaient remisés dans les placards, je les ai sortis parce que ma mère a décidé, ben, notre père étant disparu, ma mère m'a dit, tu peux prendre les tableaux de ton père et en disposer. Alors, j'ai fait des encadrements et j'ai présenté une première exposition à l'hiver, février. C'était dans le début de l'année 2004 exactement, au premier anniversaire de son décès, au Bureau de tourisme et des congrès. Et j'ai eu une réponse très favorable de la population mascoutaine, c'est-à-dire les gens de Saint-Hyacinthe. Et j'ai toujours continué par la suite, d'année en année. Ça fait déjà 15 ans que je présente les tableaux de mon père dans différentes villes. Et particulièrement, je peux citer celle-ci. J'ai fait une exposition en mars 2007 à l'Université Laval, à la bibliothèque Jean-Charles Bonenfant. C'est une exposition parmi plusieurs autres. Donc, c'est un devoir filial, voilà. Presque. Voilà, et c'est le terme. Que vous soulignez. Oui. Et, mettre en évidence son œuvre. Elle a été présentée à différents endroits depuis de nombreuses années. Ah, oui. Et j'imagine que ça va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène, pourquoi Baie-Saint-Paul en particulier? Alors, Baie-Saint-Paul, ce sont des souvenirs absolument mémorables. Pour la simple raison que mon père venait déjà faire de la peinture ici dans les années 50. Nous avons des photos de cette période, de l'année 1955 exactement, en juin 55. Les tableaux de cette période,
On les a plus, là, autrement dit, ça a été dispersé, mais on avait les photographies. Puis moi, des années après, et puis déjà quand j'étais jeune, avec mon père, j'avais le souvenir des voyages durant l'année 1966, on allait séjourner à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et je me rappelle que mon père peignait des goélettes et tout, encore là des tableaux dispersés parce qu'il en a tellement donné. On ne sait pas trop comment c'est disparu. Mais au moins on peut dire que Charlevoix a participé, a inspiré votre père dans son travail de peintre. Mon père était un admirateur des grands peintres qui venaient déjà dans Charlevoix. J'ai nombre de volumes, par exemple, des livres que mon père collectionnait, consacrés à Clarence Gagnon, à René Richard, par exemple. Alors, mon père avait déjà l'amour du pays de Charlevoix depuis... j'étais même pas né qu'il venait déjà ici. Et il se voyait dans la continuité de ces grands peintres qu'on pourrait qualifier de paysagistes ou de traditionnels. Oui, j'ose pas mettre trop d'étiquettes. Vous l'avez considéré comme impressionniste, mais peu importe les étiquettes, peignait ce qu'il voyait. Et sans prétention, mais avec grand plaisir. C'est ça. C'était la tranquillité, la beauté de la nature, la sérénité. Et c'était les vieilles maisons, c'était quoi? Les champs, les arbres, comme j'ai écrit dans le résumé pour cette exposition. Et il rentrait chez lui, il était satisfait de son travail, mais c'était un peintre tout à fait tranquille, un peintre du dimanche. Est-ce qu'il vous a communiqué son amour de la peinture? Oui, dans ma jeunesse, on allait au musée de la province de Québec, comme on disait à cette époque, c'est-à-dire le Musée national des beaux-arts, qui est sur les plaines d'Abraham. Et je me rappelle, dans ma jeunesse, une rétrospective consacrée à Jean-Paul Lemieux. Et c'est très émouvant. C'est dur d'en parler parce que ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance. Et mon père me disait, tu vois, c'était mon professeur, M. Lemieux. Qui a habité longtemps à l'île aux coudes, qui donc et voilà, oui, monsieur, est rattaché monsieur, à Charlevoix. Oui, qui était aussi très attaché à Québec. Oui, si mes souvenirs sont bons, Lemieux était natif de Sillery. Il a enseigné à Montréal, mais il enseignait à Québec à l'époque où mon père l'a fréquenté comme élève. Et voilà, c'est un peu ça, c'est l'influence de Lemieux, c'est très fort, évidemment. Il y avait aussi M. Soucy, Jean Soucy, qui est un grand professeur de l'École des beaux-arts. Mon père a aussi connu Mme Sylvia Daou, qui enseignait la sculpture. Et tout ça, il nous en parlait. Hein. Alors, mais tous les peintres de Baie-Saint-Paul, on avait tous les livres. Alors, sans être artiste peintre vous-même, vous êtes proche de ce milieu, vous êtes proche de cette forme d'art qui vous intéresse, ça en particulier parce que c'est aussi l'héritage de votre père. Oui. Et là, vous espérez que la population de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul en particulier, puissent profiter des tableaux qui dormaient quelque part et qui n'étaient pas vus. Exactement. Eh bien, je me suis dit, il faut que dans Charlevoix, cet héritage soit présenté. Je l'ai fait à Québec, je l'ai fait ailleurs, à cause des circonstances de la vie, mais j'ai décidé, il y a pas quelques mois, un an ou deux, je me suis dit, mais Baie-Saint-Paul, c'est là qu'il voyageait, Saint-Joseph-de-la-Rive. Je veux faire quelque chose de spécial pour... il aurait eu 98 ans. Alors... Cette année-là. Et peut-être pour le centième anniversaire, je ferai quelque chose à Mézeray pour son centième anniversaire de naissance en 2021. Alors, mieux vaut tard que jamais en ce qui nous concerne. Oui. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Oui. Et j'espère que les gens pourront profiter abondamment de du bel accrochage que vous nous proposez aujourd'hui. Ouais. Alors, M. Denis Côté, fils de M. Valmont Côté, artiste peintre,
Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie et je souhaite la bienvenue à la population de Baie-Saint-Paul et à tous les amoureux de la peinture.